Vivant le long des berges, en bord de mer et des lacs, les hommes primitifs ont appris à pêcher en observant les techniques des autres espèces vivantes. Pour eux, le poisson était une nourriture précieuse et délicieuse pêchée à main nue. Des preuves archéologiques montrent que pendant l'âge néolithique, les gens ont fabriqué des harpons, des cannes à pêche et gaffes de pêche en utilisant des pierres, du bois, des os et des épines. D'autre part, dans les années 3000 avant Jésus-Christ, les Chinois élevaient des mulets dans des étangs remplis d'eau salée. Les Romains, eux, étaient connus pour élever des carpes et chevennes dans des bassins piscicoles. Les premiers écrits sur la pêche étaient d'origine égyptienne, datant de 2000 avant Jésus-Christ. Ces inscriptions révèlent que les pêcheurs utilisaient certaines formes de filets. Autrefois, les pêcheurs chinois utilisaient la glace provenant des lacs, des rivières et des étangs gelés afin de stocker le poisson. En Europe, l'idée de conserver au froid des poissons fraîchement pêchés pour prolonger leur période de stockage a été pensée lors du transport de poissons de l'Écosse à l'Angleterre par voie maritime au XVIIIe siècle. À la fin du XIXe siècle, la glace produite mécaniquement sur les bateaux de pêche a changé radicalement la vie des pêcheurs. Malgré d'autres systèmes développés, aucun n'était aussi efficace que la glace utilisée pour refroidir le poisson. Le poisson est une excellente source d'alimentation riche en protéines et en acides gras. C'est un aliment très important car il répond aux besoins nutritionnels du corps humain. Il est bénéfique pour la physiologie humaine et les fonctions du métabolisme, permettant le maintien d'un mode de vie sain et la prévention des maladies. Contenant entre 18 et 20% de protéines, le poisson est riche en vitamines A, D et B, en phosphore, en fer, en sélénium, en iode, en calcium, ainsi qu'en oméga-3. La pêche de poissons et de fruits de mer est une importante source d'alimentation et de revenus pour des centaines de milliers de personnes à travers le monde. En 1970, la consommation globale était de 60 millions de tonnes. 57 millions de tonnes provenaient de la pêche et 3 millions de tonnes de la pisciculture. Aujourd'hui, la consommation de poissons représente 170 millions de tonnes, 95 millions de tonnes issues de la pêche et 75 millions de la pisciculture. Par conséquent, la consommation globale atteint les 20 kg par habitant. Grâce aux subventions gouvernementales, la Chine occupe une position de leader avec une production de 50 millions de tonnes. Ils produisent principalement des cyprinidés. Les autres principaux pays producteurs sont l'Inde, le Vietnam, le Bangladesh et les États-Unis. Le thon, le homard, la crevette et le céphalopode sont quatre espèces ayant une valeur commerciale importante. La production totale mondiale de poissons est de 170 millions de tonnes. 70 millions de tonnes sont commercialisées sous forme de poissons frais, 44 millions de tonnes sous forme congelée, 17 millions de tonnes séchées, salées et fumées, et 19 millions de tonnes en conserve. Entre 2014 et 2015, l'Union européenne était de loin le plus grand marché d'importation, suivi par les États-Unis et le Japon. L'industrie de la pêche est le secteur le plus important en termes de revenus, d'emploi, de sécurité alimentaire et d'entrée de devises pour de nombreux pays en voie de développement. Pays pour lesquels l'exportation des produits issus de la pêche représentait 80 milliards de dollars en 2014. Il est envisagé que la production mondiale de poissons atteigne les 196 millions de tonnes en 2025.
la hausse des revenus, l'urbanisation, l'amélioration des capacités de stockage et des réseaux de distribution sont les raisons principales de cette augmentation. En 2025, les pays d'Asie représenteront à eux seuls 90% de la production mondiale totale, en conservant leur position de leader parmi les plus grands producteurs. On estime qu'une autre augmentation significative de la production sera observée en Amérique latine, tout particulièrement au Brésil, ainsi qu'en Chine, où elle sera de 60%. La commercialisation du poisson depuis sa sortie de l'eau à la consommation finale, sans détériorer sa qualité, n'est possible que par un système de refroidissement rapide. La façon la plus pratique et traditionnelle de faire ceci est de couvrir le poisson avec de la glace. Le poisson ne doit être séparé de la glace qu'à la livraison finale sur le marché. Les glaces fines sont les refroidisseurs mobiles de l'industrie qui fournissent la protection idéale en minimisant la perte d'eau du poisson qui possède une peau sensible. Le processus de congélation des fruits de mer, pour prolonger la période de stockage, joue un rôle crucial dans la lutte contre les agents pathogènes d'origine alimentaire. En effet, les fruits de mer sont congelés dans des chambres froides à une température de moins 35 degrés pour mieux les conserver. Les fruits de mer congelés sont ensuite emballés et étiquetés. Ensuite, ces produits sont stockés dans des chambres froides à une température de moins 18 degrés. L'accroissement rapide de la population, la pêche abusive, l'inconscience, les facteurs environnementaux ont entraîné un déclin rapide des ressources halieutiques naturelles du monde, voire même un risque d'extinction de certaines espèces. À ce niveau, il est certain que l'écart entre les stocks de poissons issus de la pêche ne peut être couvert que par l'augmentation de la pisciculture. La consommation de poissons provenant de la pisciculture était de 5% en 1970, elle est de 40% aujourd'hui et atteindrait les 60% en 2050. Il ne nous paraît pas possible de manger du poisson sans produire de poisson. Ainsi, nous espérons réduire le stress infligé aux différentes espèces vivantes présentes dans l'eau. N'oublions pas que la vie a commencé dans la mer et que nous sommes tous sur le même bateau.